Oui, bonjour, aujourd'hui pour notre aventure sur Mutant Year Zero. Donc la dernière fois, on avait commencé un peu l'aventure, on était arrivé à l'Arche. Du coup, on nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui était parti, qu'il fallait le retrouver, que ça faisait un petit moment qu'il n'était pas rentré, donc il s'inquiétait pour lui. Donc on va aller voir ça. Donc du coup, je vous propose de se retrouver directement sur le jeu et de voir où est-ce que ça en est. Là, c'est parti. Link start. Voilà. Appuyez sur une touche. Du coup, alors continuez. Voilà. Alors, du coup, on a notre inventaire. Santé plus 1. Santé plus 1, tous les deux. Détruire les abris. Détruire les cibles pendant 2 tours. Brûle les cibles pendant 2 tours. Hop. Du coup. Je vais mettre une deuxième grenade. Casque. On peut lui mettre une casquette. Plus 25% à la portée de l'arme. Armure. On n'a pas d'armure. Objet, on peut rien lui mettre de plus. Casque, on peut rien lui mettre à lui. Là, c'est verrouillé, indisponible, indisponible. Et pour lui, c'est pareil. Ça, c'est bon. Va voir un peu les mutations. On n'a pas de points disponibles. Là, il y a un point disponible. Santé héroïque. Ça, il a déjà. Donc, du coup, c'est tout. Alors. On vient voir ici. L'atelier. Vous voulez savoir comment ça se passe? Si vous avez de quoi payer, je peux réparer ou améliorer votre matos pourri. Des questions? Alors, du coup. Là, tu as ça, ça et ça. Donc là, c'est Bormine, Bormine. Dux, Dux. Le tromblon. Niveau 1. Ça fait 5, 8, 15, 6, 7, 5. Mission 3. Mission 2. Pas cette pièce d'arme. D'accord. Donc on peut améliorer les armes comme une. Pas assez de pièces d'armes, j'ai pas assez de métaux en fait. D'accord. J'en ai que 21, c'est pour ça. Allez, il en faut 60 pour celui-là. Allez, en faut 30. Allez, en faudrait 30, mais ça, il faudrait déjà l'acheter, il me semble. Later, stalkers. Ah, voyons voir. La boutique guerrière, on va aller voir ça.
Vous savez comment ça se passe. Le tracker vole de l'équipement capable de les garder en vie. Et moi, Iridia, j'ai de l'équipement possible et inimaginable. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, dites-le moi. Il y a juste une règle à respecter. Une seule. Ne cherchez pas à vous moquer de moi. Jamais. Sinon, je donne vos bijoux de famille à bouffer à des chiens de la zone pigée. Parfait, je vous laisse faire votre choix. Flingue maison. Viseur. D'accord. Grenade fumigène, non. Fabriqué à partir de tubes et autres. D'accord. Donc on va pouvoir sortir de là. Là on a l'aîné. On va aller voir chez Prip. Même en cas de journée pourrie dans la zone, vous pourrez toujours venir chez Prip pour vous remonter le moral. À l'aide d'un peu de grog de qualité. Vous voulez oublier vos soucis? Vous prenez un verre? Grog garanti 100% naturel, sans butane ni javel. J'ai également un petit commerce d'antiquité. Alors si vous trouvez des artefacts sympas dans les terres dévastées, apportez-les moi, je vous offrirai quelque chose en retour. Comprenez? D'accord. Mulet, gros dur, sale, d'accord. Donc c'est des trucs qu'il faut qu'on trouve. Un point d'artefact disponible. Gros dur. Rallonge la durée d'hémorragie pour les membres. Des membres du groupe. Débloque un emplacement de grenades supplémentaires par membre du groupe. Confère une réduction de 20% à la boutique d'Iridia. Hein, ça peut être intéressant. Plus 1 point de dégâts de feu par tour pour les cocktails Molotov. Rallonge l'effet des grenades EMP de 1 tour. Donc à mon avis, on va prendre ça. Voilà. Donc si on revient à la boutique d'Iridia. Du coup, c'est passé de 150 à 120. Ça va, ça vaut le coup. Là, c'est pour redescendre. Là, c'est l'aîné. Ma demeure sera toujours un havre de paix pour vous, mes vaillants trackers. Pensez à venir me voir lorsque vous rentrez à l'arche et je vous donnerai des conseils afin de vous aider à devenir plus fort et plus sage. Merci de prendre le temps d'écouter les divagations du vieillard que je suis. Allez en paix, tracker. D'accord, donc du coup on va partir maintenant. Donc il faut qu'on aille à la cabane d'Amon. Voilà. Alors du coup... Merci d'avoir aperçu de la zone. Did you forget there's like a cajillion ghouls out here who want to kill us? Nobody gets to kill you but me now. Shut the duck up and keep moving. I'm telling you, Borman, ain't no happy ending in this story. Stalkers don't get happy endings. We get each other. So watch my back. Ah oui, c'est se cacher, c'est vrai. Je ne fais rien pour pas rentrer dans la cabane. Non, dommage. Tenter du bruit.
On va bien voir. Généralement, on peut visiter un peu les environs comme ça. Là, ça c'est rien. Mais s'il y a des zoos. Il y aurait quelque chose dans le coin. Chien de laser niveau 5. Truc là-bas. D'accord, il a appelé son copain. Alors, voyons voir déjà. Tirer, lancer, tir de couverture sur cachet, soigner, course d'attaque. Certaines mutations se déverrouillent une fois utilisées. Il faut alors tuer un certain nombre d'ennemis pour les débloquer. D'accord. Activer cette unité lui fait engager le combat. L'ignorer vous permet de la garder cachée au même endroit pour plus tard. Les ennemis cachés peuvent se faire repérer par un ennemi au combat si elle se rapproche trop. On va l'activer. Va d'abord se déplacer ici. Et là. Mais un en moins. Recharger. Pas de champ de vision. Oh, il me l'a tué. Quand un tracker encaisse trop de dégâts, il subit une hémorragie, se vide de son sang. Approchez-vous et sauvez le tracker dans le nombre de tours indiqué à l'aide d'une trousse de secours. 3 tours, d'accord. Va d'abord finir lui. Et donc, si on finit avant, c'est bon. Deux points disponibles. Déplacement héroïque augmente votre distance de déplacement de 2 permanents. Et ça, il faut 7. Et j'ai que 2 points. Donc on va prendre ça quand même pour le moment. Et lui, il a un point toujours. Là, pour le moment, on peut rien faire de plus. Over here. Allez, viens. On va chercher ce qu'il y a là. These abandoned campsites always get my feathers twitching. Hundreds of them out here. All full of ghosts shivering in the cold. Il doit y avoir des trucs. Ferraille courante.
là-bas au loin. Non? Il me semblait. Bon, du coup, en revenant par ici, on a une cabane ici. On peut rentrer dedans. Pièce d'armes, très bien. Ici. Ah, ça me dit. Ah non, c'est juste un reflet. On va aller voir par là. C'est dommage qu'on ne voyait pas, qu'on n'ait pas de minimap. Alors, good news is we reached Heaven's cabin. Bad news is there's two friggin' ghouls. La mauvaise, qu'on a atteint la cabane d'un homme, la mauvaise. Chasseur. And squeeze the secrets from his head. Hammer will tell us what the junk is for. The junk is for us. All of it. Oui, hop. Qu'est-ce qu'on a? Grenade fumigène, non. Ça alertera. Non. Hop, du coup on est repéré. Il y a des trucs à l'intérieur à prendre, d'accord. Ouais, bon. Ah! Ils ont appelé des renforts. Un de moins. Un seul fumigène ici. Il y en a qui va passer dans les flammes, ça c'est à tous les coups, c'est sûr. Lui c'est bon. Aucune chance de toucher.
Dégâts 2 quand même. Ah, du coup, il n'y a plus le feu. Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est nickel ça. Bloqué par la fumée. On va se déplacer ici. Lui, il m'a raté. Là, il reste plus qu'un. Pas de champ de vision. Lui, il est là. Hop. Pourquoi je peux pas tirer? Prise crâne. Vous garantit que votre tir infligera des dégâts critiques, mais réduit vos chances de toucher. Se cacher. Une chance de toucher. Pourquoi ça fait ça? Il faut que je me soigne. Alors, on est sur lui. Critique 100%. Ah, raté. Et hop, on va faire une avance rapide sur ça. Recharger. Et pourquoi il rate? Ah, c'est pas bon tout ça. Et ils appellent encore des renforts. Bon. Recharger. C'est pas ça que je voulais faire. Mais non. Pas vrai ça. Allez. Stay still. I'm gonna patch you up. Not too shabby. Got you. Un de moins. Not so bad. Mais il est encore raté.
Ah, voilà. Raté? Il est juste devant moi! Voilà. C'est bon, il se relève. On va augmenter la santé aussi, hein. Quand déchaîne la zone au fil des saisons, je dois m'enfoncer toujours plus loin dans la zone pour trouver même les plus basiques des objets. De temps en temps, il m'arrive de découvrir une cachette dans un lieu que je pensais pourtant nettoyé par les trackers depuis longtemps. Il y en a une à l'ouest de la machine abattue. Il semble y avoir là des vestiges d'un camp des anciens. Dans une hutte transportable, l'endroit est actuellement occupé par une meute de chiens de la zone, qui, pour une raison que j'ignore, tolère ma présence près de leur lieu de reproduction. Ils éliminent les goules errantes, et moi, je les laisse tranquilles. C'est là une symbiose qui me convient parfaitement. Le fait de les avoir tués, je récupère rien. Je sais que la dernière fois, je récupère des trucs. Voie loin, ça, on verra ça après. Les ghouls de la zone ont tout détruit ou volé dans cette cabane. Il n'y a presque plus rien d'utile ici. Mais heureusement, ils ne savent pas lire. Elles ont laissé le carnet caché dans le bureau d'Amon. Dux et moi, la lecture, c'est pas trop notre truc non plus. Mais on cherche quand même des réponses dans le calepin. Mais tout ce qu'on trouve, c'est d'autres questions. Dedans, Amon explique qu'il a trouvé une machine qui s'est écrasée près de sa cabane. Il dit que c'est un message envoyé d'un lieu situé hors de la zone, un endroit mythique appelé Eden, où tout le monde vit heureux et en sécurité. Alors qu'il voit une autre machine tomber au nord d'ici, il décide d'aller la chercher avec son équipe. Je referme le carnet. Eden, je connais, mais c'est qu'un conte de fées, une belle histoire que les mutants se racontent pour s'endormir. Alors, soit Amon mijote un truc, soit il a chopé la Mortegale. À nous de le découvrir. Dux et moi, va falloir qu'on parte plein nord, donc bien plus loin que l'Arche. C'est super dangereux et Dux me dit que je suis dingue de vouloir. J'aimerais pouvoir lui dire qu'il a tort. Bon. Makes him a grade A certified loony. No one goes up there, Borman. And what's with those two stalkers he took with him? They should know better. They're following orders. On a chopé des bons petits trucs pour le moment. The Ark can't run without Hammond, so we're bringing him back. Especially with ghoul packs coming this far south. Wonder what they're planning. Ghouls are too big. Du coup, on va voir ça. Someone's pushing them down here. I'm feeling in my feathers. This is Hammond's far looker. Let's bring it back to Prep before the ghouls take it. That name is all wrong. It should be a smaller fire because when la ferraille became smaller and more distant. Amazing what the ancients could make. Et donc du coup, il va falloir qu'on parte par là.
On va aller voir ça. Apparemment, c'est bien là. Hop. Alors, du coup. Oh man, we've never been this far from the Ark before. Talk about undiscovered country, huh? You think we finally left the ghouls behind? Yeah, me neither. Aller plus loin par là. My brain must be rotting. Is that a beautiful woman I see before me? Wait, I know that beautiful woman. She's a stalker. Stay right there. Putain, qui êtes-vous? Tu t'appelles Selma, pas vrai? T'es une mutante comme nous, et tu fais partie de l'équipe d'Amon. Je vous donne de l'argent? Non. J'ai buté ton frère? Non. Alors je suis bien Selma, et vous deux, vous êtes qui? Moi c'est Dux, et lui c'est Bormin. T'en connais beaucoup, toi, des canards et des sangliers qui marchent? On est les seuls de l'Arche. On dirait que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, et vos histoires, j'en ai rien à battre. Faut que je rejoigne Amon sans tarder. Tu fais partie de l'équipe d'Amon? Comme tu t'es retrouvé, c'est pareil. Oh, bon. Ça commence à être trop long à lire. Not from the zone, in our heads. And that's when the ghouls ambushed us. Selma rejoint votre expédition. Alors voyons voir, apparemment là des trucs qu'on peut lui augmenter. Mettre ça. Mutation. Elle a 7 points. Alors, représentant attire l'attention de l'ennemi vers vous pendant un tour. Super zone permet d'atteindre les endroits élevés en se déplaçant tout en sprintant au combat. Effet de zone empêche l'ennemi de se déplacer pendant un tour. Ça peut être intéressant. Hop. Elle va se prendre deux mutations d'un coup. Un point disponible qu'on ne peut pas lui mettre. Là, il y a zéro. On est bon. J'ai vu quelque chose là. Mais oui, c'est juste un reflet. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'on court. Instruction d'évacuation, itinéraire d'évacuation, D1 au gars, n'apportez que l'essentiel, hein, d'accord. On va essayer de voir de l'autre côté avant. Stalker, what? You see this hidden path through the forest? Ça sent les chiens. Des pièces d'armes, comme ça on va pouvoir faire du troc.
flea market with this junk. Look at these weird machines. Where do you think they come from? Alors. Selma se fait repérer. Hors de portée. Si je me mets là. Raté. L'ennemi vous a entendu. Il y en a un deuxième qui arrive. De toute façon, il est mort vu qu'il va se prendre encore un dégât de feu. Si je veux changer, je peux recharger. Mais comment on fait pour changer d'ennemi ? Bon, je vais tirer dessus, du coup, sur celui-là. Hop, il prend feu. Et voilà. Et on a Selma qui a pris un niveau. On lui met ça à elle. Comment on fait déjà? Voilà. Mon petit canard. Ferraille. Let's get this open. Ouh, un chapeau. 1% de chance de critique depuis une position surélevée. Hey, follow me. Ça, c'est vers une autre zone, donc on va éviter pour le moment. Elder Almighty, I've seen some crazy shit in the zone, but this takes the bullet. This house must have belonged to some small people. I mean, small, small. That is just the weirdest. Descendre par là? Non. J'allais dire aussi. Ici, il y a quelque chose. L'affaire est courante, donc ça va.
On est pas mal sur ce coup-là. Hein. Il y a de la ferraille en face. On va traverser ici pour prendre le pont là. Et du coup, il faut faire le tour ici pour aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté. Après, on ira voir de l'autre côté où est-ce qu'on n'est pas allé. Armes à feu, des pièces d'armes, tant mieux. On dit pas non à ça. Allez. Donc par là, je pense pas qu'on ait besoin d'y aller. Alors on peut pas y passer. Donc le seul passage qu'il y a, c'est en hauteur. Il y en a un qui est en haut, c'est pour ça. Avant, on va essayer de passer par là. À mon avis, c'est des maraudeurs qui est là-bas. Là, c'est un mode embuscade. Si je tire avec ça. D'accord, ils sont beaucoup plus que ce que je pensais. Et ils attirent déjà du renfort. Choisir lui. Recharger. I did that. What do you think about that, huh? Un de moins comme ça. Toi, tu vas te déplacer ici. Aucune chance de toucher. Si je tire ça, ça sert à rien. Planqué. C'est quoi ça? Ami des arbres, plaisantin.
Permet de contrôler la scène des arbres proches pour immobiliser vos ennemis. C'est bien ça. Ils ont un robot infirmier. Comme ça, c'est bon. Aucune chance. Hors de portée, d'accord. L'organisation va se concentrer sur cette unité. Hop, comme ça. Alors, on va d'abord faire lui. Raté. Hop, on va recharger. Je veux pas qu'il soit une note devant. Mais ça fait chier les robots infirmiers finalement. Non, c'est pas toi, toi je veux pas que tu fasses ça. Toi tu tires sur lui. Toi tu soignes lui. Et tu tires sur lui. Toi tu recharges. Bon, ça revient même. Hein. Hop, plus de robot infirmier. Hmm.
feels better. Alors, on se remet là. Du coup, il va recharger. Tirer. Hop. Il en reste deux, il me semble. J'aime pas quand il fait ça. Ils appellent encore des renforts, c'est pas possible. Un seul, ça va. Comme ça, il pourra plus se cacher. Toi, tu recharges. Permet d'effectuer une action supplémentaire après avoir dépensé tous ses points d'action. Lui est encore mort. Mais là ils sont trop, hein. Bon, ben, je crois que c'est foutu là. Voilà. Bon, ben, c'est pas grave. On va s'arrêter sur ça. Hein. J'ai pas envie de m'énerver. Du coup, on reviendra dessus la prochaine fois, on réessayera. S'il faut, je repasserai d'abord à l'arche, rechercher du soin, tout ça. Hein. Donc du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche à côté pour ne rater cette vidéo. Juste à côté du bouton s'abonner, vous avez le bouton rejoindre qui vous permet de vous sponsoriser à la chaîne. Et entre deux, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Pour vous sponsoriser, vous avez trois paliers, moins de 2€, moins de 5€, moins de 10€, n'hésitez pas à le faire. Moi, avec cet argent, je vous fais des cadeaux, des giveaways, des petits concours. Il y en a un qui est actuellement en cours et vous n'avez pas grand-chose à faire en plus. Donc pour ça, allez voir sur le Discord, il est dans la section concours. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre de... Donc moi, cet argent, je vais m'en servir pour vous faire des cadeaux, comme je vous disais. Et pour ça, il y a aussi le lien Utip, sur lequel vous pouvez aller regarder des petites pubs, même me faire un don dessus, c'est plutôt pas mal. Vous aurez les mêmes avantages si vous me faites un don que si vous êtes sponsor. Et si vous regardez seulement des pubs, c'est tout aussi bien. Et moi, cet argent-là, ça, je m'en sers quand même pour vous faire des cadeaux. Donc n'hésitez pas. Dans la description, vous retrouverez aussi mes réseaux sociaux, donc mon Twitter, mon Facebook sur lequel je partage mes vidéos, et mon Twitch, là où je vais faire mes streams et tout. Donc n'hésitez pas, il y aura des giveaways aussi en live. Donc n'hésitez pas à aller me follow. Hein. Et en plus, le concours qui est actuellement, c'est par rapport à Twitch et Utip en même temps, donc allez voir. Donc bien sûr, je vous dis à la prochaine, dans la bonne humeur. Surtout, n'oubliez pas, restez positifs.